celle qui a fait trembler la monarchie, a été élevée comme une parfaite ménagère. Ses parents n'envisageaient pas d'autre avenir pour elle que celui de mère et d'épouse. Et l'apprentissage commence tôt. Elle a 5 ans quand elle intègre Dumbrell School, un pensionnat aux règles très strictes, à quelques kilomètres de chez elle. À l'heure du déjeuner, les petites filles apprennent à se tenir à table, à faire la conversation avec leurs voisins, à devenir des dames du monde, qui sourient tout le temps, qui ne se plaignent jamais. Dans les années 60, Camilla parfait sa formation au Queen's Gate, une école chic du centre de Londres. En plus des leçons traditionnelles, les jeunes filles apprennent surtout à choisir un bon parti. Mais à quoi pensent toutes ces jeunes filles de l'époque? C'est à s'amuser. On est dans les années 60, tout le monde rêve de faire ses débuts dans le monde, c'est-à-dire d'être présenté et de pouvoir enfin sortir. Et Camilla n'est pas la dernière à vouloir s'amuser. C'était une adolescente très active. Elle faisait tout le temps la fête, elle aimait boire, elle fumait sans arrêt.